Hello, c'est Dog et c'est parti pour un nouvel épisode de The Witcher 2, Assassin of King. Bon. Joueur aussi génial au niveau des FPS. J'en suis à 20 FPS alors que quand le jeu tourne sans frappes, c'est à 60. Mais bon, tant pis. Hein. Enfin, à 60. Oui, c'est à 60, je crois. Putain, et c'est insupportable. Tant De pis. Tancarville, vous sentez ça? La magie palpite encore dans ce lieu. Ça me donne froid dans le dos. Étrange. Le quartet solaire de Glevisig est un sort de courte durée. Il aurait dû se dissiper depuis longtemps. Une anomalie, sans doute. Ces choses arrivent. Vu la quantité de pouvoir qu'elle a invoqué, je doute qu'elle ait tout contrôlé. Cessez de parler de Sabrina Glevisig, ou je jure que des têtes vont tomber! Ouais, on continue. Sire, longue vie au roi! Espèce de rendez-vous, putain, 19 FPS, non mais sérieux quoi, 18, vas-y mais continue, 17, ouais vas-y, mais vas-y, allez. Le baron Fellart a toujours laissé entendre qu'il changerait volontiers de camp. Fellart est sans conteste un fumier. Les autres nobles sont saisis d'effroi en pensant à Saskia, à ses paysans et aux rebelles non humains. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas en mesure de se battre. Et le rejeton de Demavend, il a donné son prix? Le prince Stennis doit encore faire parvenir sa réponse, mais Fellart m'a assuré... Je dois le voir, le regarder dans les yeux. Là, je saurai ce qu'il en est. Attends, je vais passer mon temps à regarder le coin de l'écran pour voir à combien d'FPS c'est. Chier. Tout à l'heure j'ai voulu commencer une vidéo et le truc était tombé à, je sais pas moi, une dizaine d'FPS, c'était juste n'importe quoi. Mais là on n'en est pas loin là. Et ça c'était violent quoi, je veux dire c'était vraiment désagréable, c'était injouable. Enfin c'était jouable, enfin bon bref c'était de la merde quand même. D'ailleurs là c'est de la merde comme, c'est de la merde aussi. Hein. Mais bon, je peux pas faire autrement. Nous saluons très humblement Sa Majesté Enzelt, roi de Kedwen, héritier de la dynastie de la Licorne, seigneur d'Ard Careg, archiduc de Banhard et triomphateur de Nilfgaard. Bienvenue en Edirne. Combien voulez-vous? Sa Majesté doit plaisanter. Je suis on ne peut plus sérieux. Combien pour vos signatures? Nous pensions à 100 000 couronnes de Novigrad, chacun. Ainsi que le titre de marquis, car l'argent ne fait pas tout. Oh. Il s'agit du Haut Edirne, ses mines de charbon et d'argent, ses fabriques, sa carrière de marbre blanc, la seule de ce côté de la Yaruga, et la principale route commerciale du Nord. Il s'agit de la basse marchie. Consultez la nouvelle nomenclature. En échange, nous jurons loyauté et reconnaissance à Sa Majesté, souverain de ces terres. Je ne paierai pas pour obtenir vos signatures inutiles. Je n'en ai pas besoin. Mais, Majesté, sans notre soutien, vous resterez à jamais l'envahisseur, l'occupant, l'ennemi. Le peuple édirnien... Les Édirniens suivent Saskia la tueuse de dragons et le prince Stennis. Je souhaite leur parler. Sire, la tueuse de dragons approche. Drapeau blanc à la main. Parfait. Faites-la entrer. Juste par curiosité, à combien se vend le Haut Edirne aujourd'hui? Combien voulez-vous, jeune fille? Roi, ordonnez à ce vautour de fermer son bec, avant que je lui enfonce un coq si fort dans l'oignon qu'il chantera de midi à l'aube. Je... Sire, faites-la donc maîtriser!
Je vais aussi y avoir droit. Si ça peut sauver Edirne. C'est une putain, après tout. En tout cas, elle en a l'air. Detmold n'est certes pas des plus braves, mais il a raison sur un point. Si je vous fais maîtriser, il n'y aura pas de guerre. Soit vous êtes brave, soit très stupide. Allez-vous m'écouter, roi? Ou allons-nous poursuivre menaces et offenses? Dites ce que vous voulez. Roi, retirez votre armée et reconnaissez l'autonomie du Haut-Edirne. Cessez de persécuter les non-humains et laissez-les quitter votre royaume. Faites cela et vous sauverez vos hommes et votre peau. Vous avez du cran, femme. Mais qui gagnerais-je à part une réputation de lâche? Henselt d'Ardcaré ne tournera pas les talons face à une femme, fût-elle tueuse de dragons. Je ne vois qu'une seule issue. Seulement vous et moi, roi. Ici et maintenant, avec ces gens et les dieux pour témoins, je vous défie. Ça va être salace. Comme au bon vieux temps, quand l'honneur régnait sur ce monde. Le vainqueur gagne le Haut-Edirne. La jeune fille est devenue folle. Défier un roi. Mais sire, c'est ridicule. Nous les écraserons au combat. Il paraît qu'elle a tué un dragon. Elle peut être dangereuse. Mes plans vous concernant sont tout autres. C'est ce qui rend le combat intéressant. Ne me décevez pas, tueuse. Montrez-moi ce que vous valez. En avant! Ils vont s'affronter dans un duel chevaleresque. J'ai nommé Henselt d'Ardcaré, roi de Kedwen, souverain de Kaingorn et Maléor, dernier descendant de la licorne. Et Saskia, la donzelle qui a abattu un dragon. À la clé, la basse marchie. Que le duel judiciaire commence, devant les dieux. En garde! Sortez votre épée. Je peux pas me déplacer pendant que je me protège. Allez! Je peux pas me faire défoncer par une gonzesse! Pour ma canne. Tiens! Tueuse de dragon, mon cul, ouais! Tiens! Voilà! Arrêtez! Au nom de Crève, Freya et Mélitel, arrêtez! Voilà, le démon est en... le démon le possède. Le mal est en lui. Il a fait couler le sang dans une stèle sacrée. Et maintenant les démons vont arriver. Les spectres ou je sais pas quoi. Et là on retrouve Gérald. Oh là. Oh! Halt! Qu'y a-t-il, Zivik? La bibine vous rend débile? Vous ne me reconnaissez pas? Qu'on me pende par les couilles! Qu'est-ce qui vous a pris de l'amener ici, Roche? C'est un sorceleur. Je sais qui c'est, ce gars! Un putain de tueur de roi, là aux portes d'un camp royal! Il n'est même pas ligoté! Doucement, les gars. Ce n'est pas un assassin. Je me porte garant. En parlant de roi, j'ai grand besoin de voir le vôtre. Alors faites la queue, monsieur le chevalier en mission spéciale. Pas un geste, Muton. Que l'un de vous aille chercher le sergent, et tant que vous y êtes, trouvez une corde solide pour attacher le monstre. Allons, Zivik, c'est inutile.
Où est le roi, déjà? Quelque part dans les plaines, en train de négocier. Hé, hey, tueur de roi, tu déposes tes armes de plein gré, ou je te carre un carreau dans le fion. Monte ton fion, Gérard. Bouge pas. Bouge pas d'un poil, mutant. Bah, tire, connard. Tes mains en évidence. Feu! Sur le monstre! Bordel de... Merde. Quand on est poli, on dit bordel de merde. Voilà, c'est le chaos total. C'est un peu la honte s'en prendre à une femme, c'est pas sympa. Enfin, une femme faible, hein, qui a l'air faible. Une grosse femme toute musclée, ça tu peux lui défoncer sa gueule. Ces spectres étaient mes soldats. C'est la malédiction de Sabrina. Il y a aussi des Edirniens. Vous admirerez la vue plus tard. Partons. Vous devez tenir. Je dois rassembler le pouvoir pour lancer le sort. T'inquiète, je tiens. Ils sont assez faciles à battre. Ils font pas trop mal pour l'instant. Je dis ça, il commence à bien me défoncer la gueule. Ouais, oh, il commence à faire une partout, ça va pas le faire. Oh putain. Ah ouais, non, pas en sandwich les mecs. J'aime pas trop ça. J'ai dit pas en sandwich, putain! Ah, non. En plus, j'ai même pas pu utiliser le... Ah, putain, mais... Voilà, qu'est-ce qui se passe? C'est un golem, ça? Non, c'est un Dani... je sais pas quoi. Ah, mais je suis en train de... Je suis à moitié mort. Comment ça se fait que j'arrive pas à... Ça augmente tout seul, mais bon, ça fait un peu chier quand même. Ah merde. Oh, fait chier, quel con. Il s'était mis à genoux. Ouais, on va retester avec Dar. Ah, je suis mort. Et on recommence. Si je comprends bien, on est avec ce roi barbu qui pue du cul. Ça par contre c'est moins sympa. Oh là là là. Temps de chargement hyper long. Ah, ça m'énerve, hein. Je comprends vraiment pas pourquoi mon jeu il est en 60 fps, en 20 fps, en 20, même 10 fois en 19, en 16, enfin c'est du n'importe quoi. Mais là quand j'ai allumé le jeu, là c'était juste horrible quoi. C'était tellement saccadé que ça me donnait la gerbe. Bon allez, on est parti. Ces spectres étaient mes soldats. C'est la malédiction de Sabrina. Il y a aussi des Edirniens. Vous admirerez la vue plus tard. Partons. Vous devez tenir. Je dois rassembler le pouvoir pour lancer le sort. Je suis trop vieux pour ça. Mais non, t'es pas trop vieux. Il doit rassembler le pouvoir.
Par putain, fais chier. On va éviter de se faire toucher parce que la baston est loin d'être terminée. Faut vraiment faire des petites esquives d'homosexuels, pas le choix. Hein. Je vais pas trop m'approcher d'eux parce qu'ils sont plusieurs là, encore une fois. Et... Ah, il m'a touché, non? Ah, je deviens parano. Tiens. Heureusement qu'ils ont pas de flèches parce que là, ça serait la merde. Oh là, on se calme. Oh, il y en a un juste derrière moi. Il a l'air tout seul là. Non. Ah, mais il se rapproche. Ah putain, et voilà, ils m'ont touché. Voilà, deux contre lui, ça c'est parfait. Ah, il m'a touché quand même, ce fils de pute. Hein. Eh, mais... Putain, mais c'est pas vrai, ça, mais il y en a tellement aussi. Fais chier. Ah, mais si je suis bloqué par, par le décor aussi, ça va pas le faire. Hein. Il a l'air tout seul et malade. Ils sont tous malades, c'est des zombies. Des fantômes, des spectres, je sais pas. Putain, mais je le finirai jamais, hein, ce combat. Voilà, terminé. Il a encore mis... Qu'est-ce que t'es laid. Au moins, ce qui était bien dans le 1, c'est qu'on pouvait utiliser de l'hirondelle même pendant... Même pendant les combats, quoi, pas besoin de méditer. Là, on est automatiquement obligé de méditer. C'est peut-être bien pour au niveau de la difficulté, mais c'est chiant quand même, parce que là... Putain, j'ai rien fait. Je vais essayer d'utiliser... Non, attends. Ouais, celui-là. Igni. Putain, il y avait un truc, là, qui traînait. Je suis obligé de les attaquer à distance, hein. J'ai pas le choix. Ils sont vraiment trop forts, les mecs. J'étais en train d'admirer la bête. Voilà. Un de moins. Ah, mais j'arrive pas à le toucher. Saignement, forcément. Va crever, oui. Tiens. Vous ne passerez pas. C'est ridicule. C'est prêt! Ne vous écartez pas! Et si on a et envie d'écarter? Où est passé le soleil? C'est une éclipse. Quelqu'un lance une malédiction. Et elle est très puissante. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, attends, je suis con, moi. Je devrais utiliser l'huile contre les spectres, tout simplement. Même si en vérité, ça n'a pas été très efficace. Hein, quand je me suis battu avec... Mais ils étaient peut-être un peu trop forts, les mecs. Il serait peut-être temps que j'ai des nouvelles tenues, là. Hein. Voilà. Il y a du rouge partout.
des guerpissons. Les spectres ne sont vulnérables qu'à l'argent et au sort. Reste derrière moi. J'essaie de dissiper la brume. C'est peut-être avant que j'aurais dû utiliser ce truc-là. Oh là. Ou après, mais pas pendant que tous les spectres se font massacrer et que j'ai absolument rien à faire. Quel con. Attends, j'ai utilisé ce truc-là pour que dalle, finalement. Tiens. Bon, il était à moitié mort. Voilà, ça recommence. Voilà, mais... ce sont de vrais spectres. Putain de... Et j'ai pas récupéré mon énergie en plus. J'ai même pas récupéré ma putain d'énergie. Pourquoi les spectres sont si méchants? Qu'est-ce qu'on leur a fait? C'est le prince Stennis? Stennis? Il est en vie? Non, les spectres l'ont emporté. Voilà, 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 on revient dans la zone. On peut pas tomber, hein. Ouais. On a rencontré la chasseuse de dragons, mais on n'a pas rencontré le mec, le jeune roi avec la tête rasée là. On l'a pas vu. Je suis trop vieux pour ça. On a juste vu la chasseuse de dragons. Enfin la tueuse de dragons. C'est bizarre. Bon allez, on y va. Mais j'ai rien récupéré du tout quoi, c'est juste amusé. Oh. Un coup ils sont là, un coup ils disparaissent. Ah d'accord, d'accord. Faut que je les élimine. Heureusement, ils sont concentrés sur le type. Ça va, c'est assez rapide pour les tuer. La brume se dissipe. Nous touchons au but. Nous touchons au but. La brume se dissipe. Nous touchons au but. Quand j'entends ce genre de merde, je me dis vivement The Witcher 3. Le doublage de merde, c'est insupportable. Parce que ces mecs-là, c'est pas forcément des mauvais doubleurs, mais j'ai l'impression qu'ils... C'est même pas du tout des mauvais doubleurs, c'est juste que là, je sais pas, ils étaient pas dedans, ils s'en battaient les couilles de The Witcher. C'est le cadet de leurs soucis. Bon, quoique lui, c'est pas le plus horrible, hein, bien entendu. Ok. Les spectres reviennent. Ah, putain. Allez, j'espère que je vais pas me mettre à crever maintenant. Allez. Ok. Ça va durer encore longtemps comme ça? Attends, j'ai quelle épée là? Ah non, c'est la bonne, c'est la bonne. Voilà. Ça va, c'est bon. Oh, ça va mieux là. Et franchement, les couleurs, c'est un peu flippant dans The Witcher. C'est un peu à gerber, j'ai envie de te dire.
Detmold, Sheila, retrouvez-moi dans ma tente. Je veux savoir ce qui s'est passé et comment nous allons y remédier. À vos ordres, votre majesté. Oh, ça risque d'être dégueulasse. Je ne tolérerai aucun retard. Et convoquez tous les commandants de la compagnie. Sur le champ, votre majesté. Caporal, surveillez de près le sorceleur. Il vient de me sauver d'un enfer magique. Je doute donc qu'il veuille ma tête comme celle de Foltest. Mais je ne le laisserai pas pour autant rôder dans le camp comme un chien errant. Occupez-le un moment, puis amenez-le-moi. Sire, je dois solliciter une audience. Plus tard. Je dois d'abord voir mes mages, puis le sorceleur. Ah, parfait. Et moi qui espérais une petite guerre tranquille. Vous savez où je peux me rincer le gosier dans le coin ? Roche, vous vous portez garant de ce grand galopin ? Il n'a pas tué Foltest ni Demavend, si c'est votre question. Ça, je peux vous l'assurer. Très bien, ça me suffira. Allons-y. Putain, il ne faut pas grand-chose à lui. Ok. Suivez et persuadez-le de vous mener directement au roi. Bon, j'ai pas envie d'aller vers le roi. J'ai pas envie d'aller de retrouver le roi tout de suite. On a pas toute la journée. Hein? Oui, non mais tu te calmes déjà. Il y a quelques petites quêtes secondaires à faire avant. Je veux voir si peut-être que je suis obligé d'aller voir le roi avant d'attaquer les quêtes secondaires. Je vais vérifier. Une fois ceci éliminé, Delmot réactif son sort, ouais. C'était pas trop chaud. Bon, au début, j'ai galéré au début, mais bon, par la suite, ça... Une fois arrivé au camp, le roi voulait son compagnon qui se charge de vous faire visiter les lieux. Si vous voulez prendre de l'avance, parlez aux soldats et convainquez-le de vous amener directement. Vous amenez directement au roi, sinon suivez-le pour visiter le camp jusqu'à ce qu'il vous mène au roi. Ouais. Une fois libéré de votre chaperon, approchez-vous de la tente du roi pour entamer le dialogue avec Shellard, l'ambassadeur de Nilfgaard. Vous n'avez alors plus qu'à vous entretenir avec Anselt pour terminer la quête. Ouais. Bon, par contre, ça c'est pas Jean-Jean. Hein. Me retrouver avec un roi, avec une grosse barbe. Une barbe d'ours. Oui, parce que les ours ont des barbes. C'est pas super ça. Je préférerais être avec la chasseuse de dragons. Est-ce qu'on pourra le tuer, le roi, là, avec sa barbe d'ours? Parce que. C'est pas mon style de protéger un type comme ça. Gérald, c'est un peu comme Nicky Larson ou Ryo Sambae, ou je sais plus comment ça s'appelle en japonais. Son style, c'est de protéger les belles gonzesses, hein. C'est pas de protéger les vieux barbus qui puent du cul. Avec des puces dans la barbe, hein. C'est pas ça, ce n'est pas le style Gérald, c'est pas le style sorceleur. Hein. Il est pas en mode beau gosse pour protéger des vieux cons de ce genre. Donc, si on pouvait le tuer, ça serait bien. Et puis rejoindre la chasseuse de dragons, ça serait pas mal aussi. Pour ensuite la protéger et ensuite lui faire des bébés. Non, je déconne. Il a de la chance, Gérald. Il peut tirer des coups, mais il fera jamais d'enfants. Ça, c'est cool. Bon, allez, on continue. On va suivre ce type-là. Me ferme pas la porte au nez, espèce de salaud. Non, t'as raison, ferme-moi la porte au nez. Je ne mérite pas ton respect. Allez, on continue. Notre armurier croule sous les commandes militaires, mais il travaille pour des particuliers de temps en temps. Ouais, c'est vraiment... Maintenant qu'on a fait le choix... Mais c'est vraiment un choix bien précis, hein. Faut pas non plus croire que... Tu peux t'amuser à faire n'importe quel choix et puis bam bam t'atterris. Non, mais là j'avoue qu'on a fait un choix bien précis. Et ça nous a amené vraiment vers un autre environnement. Là, il n'y a pas photo. Ah, nous y voilà enfin, la cantine. Le lieu le plus important du camp. Si vous vous ennuyez, jetez un coup d'œil au tableau d'affichage. Il y a des primes sur les monstres. Perfect. Ça a l'air plus facile à se repérer que chez les nains.
Les nains, c'était un peu galère. Là, ça a l'air un peu plus simple à se repérer. Oh oh! De l'autre côté, ils se sont pas fait trop chier pour cet environnement. J'ai un peu peur de partir en campagne contre une sainte. L'ennemi vous a vendu sa propagande. Bah, mais si c'était une vierge sacrée? Pas de soucis pour ça. Le sorceleur s'occupera de tout. Ouais, je vais la dévierger. Comme ça, ça sera plus une vierge sacrée. Ça sera plus rien du tout. C'est là que le roi organise des joutes. Entre les tournois, on tue le temps avec des combats à main nue. Tous les coups sont permis. Ça paye bien aussi, si on sait à qui parler et sur qui parier. Putain. Excusez-moi un instant, sorceleur. Putain, mais tu vas t'étouffer à force de faire la grosse voix, là. Excusez-moi un instant, sorceleur. Alors, ce combat? Vous avez du nez, Zivik. Vous avez encore gagné. Mon or. Vous allez parier plus aujourd'hui? Pour sûr, je repasse plus tard. Oh, ça doit lui niquer la voix en force de parler comme ça. Niquer la gorge. Bien sûr, je repasse plus tard. Mais... Vous voyez celui-là? Desserrez un peu ses liens, et il vous sautera la gorge comme un chien enragé. Un Skoyatel de Yorvet? Comment l'avez-vous capturé? Des éclaireurs l'ont trouvé dans les gorges blessées. Une petite unité s'y est fait massacrer. Les gars disent que c'était un vrai bain de sang, comme s'ils avaient dansé avec la faucheuse. Le responsable doit être redoutable. Une idée de qui ça peut être? Non. Mais s'ils arrivent à attirer des elfes dans une embuscade, je préfère en rester loin. Certes. Bon, allons voir le roi, Zivik. Ouais, ça va franchement être plus facile à se repérer. Quoi de neuf, camarade? Je ne sens plus mes foutus pieds à force de rester debout. Vous ne voudriez pas envoyer la relève? Dans une heure. Ouvre la porte, le roi veut voir le sorceleur. Ouais, ouais. Allez directement à la tente royale. Vous ne pourrez pas la rater. J'ai des choses à régler. Au revoir, Zivik. Je serai près de la grande porte. Au revoir. Ah, un sorceleur. Le roi a dû l'engager pour combattre les spectres. Tu crois? C'est sûr. Voyons ce qu'il fait de cette malédiction de sang. Je parie sur la malédiction. Non, c'est moi. Parler au roi Enselt. Alors c'était lui le roi Enselt. Ah oui, des fois il nous parle de personnages, on les a jamais vus. Enfin si, je les avais déjà vus, mais je savais pas comment il s'appelait ce mec-là. Moi c'était le barbu, c'est tout le point. Non, c'est par ici. Le roi barbu, et puis ça s'arrêtait là, et encore. Non, c'était juste le barbu en fait. Il y a même pas d'histoire de roi. Un barbu un peu con en fait. Un peu sauvage aussi. Parce que, comme j'ai dit, à chaque fois que je joue au jeu, enfin, j'ai joué qu'une seule, une ou deux fois. On va dire deux fois maximum. J'étais toujours du camp de Yorvet. Et donc forcément, quand je rencontrais ce fameux roi, eh ben, c'était en mode voilà, c'était en mode sauvage quoi, le mec, ouais, je ne porte pas une femme, des trucs comme ça quoi. Puis après il a pété un câble, puis après je sais pas ce qui s'est passé, puis bien entendu on a suivi, comment on appelle ça, on a suivi la gonzesse, forcément. La gonzesse, ouais, on a suivi la tueuse de dragon. Je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom. C'est pas Shayla? Non, je sais pas. Je vais arrêter de dire des conneries, je me souviens plus comment elle s'appelle. Enselt vous attend. Nous nous entretiendrons plus tard. Ouais. Pour moi, il y a la sorcière, mais bon. Ça m'énerve parce que ça va m'obliger à tout recommencer. À aller du côté de Yorvet pour voir ce que ça donne. Même si je sais en partie ce que ça donne, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi le chapitre 3. Le chapitre 3, enfin. L'acte 3. Ça doit changer aussi les choses pour l'acte 3. Bah tiens. Tout le monde vous chasse à vue et vous trouvez le moyen de rester en vie? Impressionnant. En partie grâce à vous, Excellence. Je vous ai aidé par le passé. J'espère ne pas le regretter. Pareillement.
Je ne voudrais pas paraître ingrat. Vous cherchez du travail? J'ignorais qu'on pouvait vous engager pour combattre. Je ne suis pas ici pour cela. Vraiment? Dans ce cas, puis-je vous aider? Qu'est-ce que son excellence... Que fait son excellence ici? Quel dommage pour Foltest. En fait, je m'en fous de Foltest. Donc... Que nouveau la visite de l'émissaire de l'Empereur? Le dernier conflit a laissé des séquelles sur la situation économique des États du Nord. Son Altesse impériale aspire à la stabilité. Je me rends donc dans les États en guerre pour proposer une aide financière. Henselt s'en sort très bien, visiblement. Les détails de ma visite sont réservés à l'Empereur et au roi de Kedwen. Par contre, je comprends. Son Excellence ne peut-elle pas révéler bride de son secret? Je dois tout savoir. Ça a marché ou pas? La magie ne vous aidera pas, sorceleur. Je n'y suis guère sensible. Fils de pute! Je vous ai vu avec Foltest, et maintenant Henselt. À quand une visite au roi de Redania? Je n'irai pas aussi loin. Radovid fait route vers Lochmuin. Il y est peut-être déjà. Nous nous rencontrerons là-bas. Lochmuin? L'ancienne ville elfique située près de la source du Pontard? Pourquoi là-bas? Les mages veulent y restaurer leur conseil. Tous les rois sont conviés à l'événement. Bon, bah on va lui balancer ça. Foltest était un bon roi. Ah bon? C'est dommage qu'il ait fini ainsi. J'ai déjà transmis les condoléances de l'Empereur au prévôt Natalis. Puisque nous parlons de Foltest et de Temeria, des rumeurs circulent sur la mystérieuse disparition de sa conseillère, la magicienne Triss Merigold. Que savez-vous sur elle? Pourquoi cette question, Excellence? On m'a dit que vous vous connaissiez. Les mages vont et viennent. Ça va, ça vient, ça va, ça vient. Pourquoi les mages vont et viennent? Ça veut dire quoi? En fait, dans les deux cas, il veut éluder la question, quoi. Les mages ont une tendance naturelle à se volatiliser. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ce serait différent si c'était les sorceleurs emprisonnés qui avaient ce pouvoir. Vous évitez le sujet. Ouais. Serait-ce qu'il vous met mal à l'aise? Oui. Enfin, en tout cas pour lui. Soit comme vous voudrez, je n'insisterai pas. Mais j'ai une dernière question, si vous me permettez. Bien sûr, Votre Excellence. Si je vous parle de Triss, c'est parce que je m'inquiète. Les mages sont connus pour leur rivalité. Je me demande si quelque chose peut vraiment les unir. Si Son Excellence veut bien expliciter. Soit. Sauriez-vous quoi que ce soit sur l'implication de Merigold dans une organisation de magiciennes? En imaginant bien sûr que vous soyez ou ayez été proche d'elle. Ah oui, il a été très proche. Hein. Même plus proche que ça, c'est juste violent. Pourquoi cette question? Elle a ses amis. Je n'ai pas d'imagination. Je ne saisis pas ce qui peut pousser l'ambassadeur de Nilfgaard à s'intéresser aux connaissances d'une magicienne. Mes intérêts sont nombreux. L'art, par exemple. Une statuette très intéressante m'a été remise aujourd'hui. Un objet très spécial. Insaisissable. Voluptueux. Il fait réfléchir. Même un chasseur de monstres ne saurait être indifférent à la beauté qu'il renferme. Je crains n'avoir guère de temps à consacrer à l'art. Avez-vous d'autres questions, sorceleur? Il se trouve que moi aussi j'ai affaire. Pourquoi cette organisation de magiciennes vous intéresse tant? Certaines coïncidences m'intriguent. J'ai ouï dire que plusieurs d'entre elles ont été vues à proximité du lieu des crimes. En quoi est-ce intriguant? Les rois ont toujours été entourés de mages. L'argent et le pouvoir les attirent. C'est pourquoi je n'accuse personne. J'ai dit que cela m'intriguait. Ah, maintenant c'est lui qui est devenu le nouveau roi. En attendant que les gosses grandissent. Bonjour, Gérald. Vous
Vous avez donc décidé de rester dans la vallée du Pontard. Desmoth ne vous porte pas dans son cœur. Trish a disparu avec l'assassin. J'aimerais me débarrasser d'un tatouage. Non, ça va. Attends. Vous pouvez enlever un tatouage ? Aucun problème. Il me faut de la moisissure verte, des pétales de myrte blanc et de l'aloès de loup. Je reviendrai quand j'aurai les ingrédients. Ouais, en fait, non, je reviendrai jamais. L'assassin de Foltest a forcé Triss à le téléporter à Vergen. Ils doivent être dans le coin. Cette petite fouineuse de Triss s'est servie de mon mégascope. Cela dit, je devrais la remercier. Ce tueur aurait pu m'avoir, moi aussi. Même si Triss est à Vergen, je ne peux pas la trouver. Ce fichu brouillard trouble ma clairvoyance. Ok. Tout le monde sait que Detmold et vous ne vous aimez pas. Detmold est un enfant. Un compagnon idéal pour le roi Henselt. L'ennui, c'est qu'il est aussi puéril que jaloux. Il croit que je veux lui voler sa place à la cour de Cadwen. Quelle absurdité. Ah bon, t'es sûr ? T'as donc décidé. J'aurais cru qu'après la mort du Cairan, la vallée du Pontard n'aurait plus d'intérêt à vos yeux. Vous ne savez rien de moi, sorceleur. Je suis ici parce que deux monarques du Nord ont été tués. Et il est probable qu'Henselt soit le prochain sur la liste. On a assez de deux pays plongés dans le chaos. Le roi Henselt ne trépassera pas. J'y veillerai. Ah bon ? Ça me dérangerait pas qu'il trépasse. Hein. Oui, pour aucune raison, juste comme ça. Juste sa tête. C'est tout. Allez. On va aller lui parler. Entrez, sorceleur. Soyez tranquille, ceci n'est pas une audience officielle. Vous m'avez aidé dans le brouillard, je suppute donc que vous ne cherchez pas ma mort. Ce qui m'amène à vous demander, que cherchez-vous, Geralt de Rive ? Ah bah c'est simple. La tranquillité pour prouver mon innocence, voilà. Non pas la justice, hein. Je pisse sur la justice, c'est... ça n'a aucun sens. Ouais. Vraiment, prouver l'innocence de Gérald pour qu'on puisse arrêter de lui casser les couilles. Voilà. La tranquillité, sire. Je dois prouver mon innocence. Je n'aime pas me mêler des affaires politiques, mais cette fois, je n'ai pas le choix. Répondez clairement et allez droit au but, sorceleur. Ne vous cachez pas derrière votre code déontologique ou les secrets du métier. Je ne suis pas d'humeur à entendre des excuses. Avez-vous assassiné Foltest ? Non. Savez-vous qui l'a tué ? Oui. Un sorceleur nommé Leto. Vous vous connaissez ? Je l'ignore, j'ai perdu la mémoire. Leto a laissé entendre qu'il me connaissait. Peut-être l'ai-je déjà rencontré. Comme dit le proverbe kedwenien, les chiennes ne se mordent pas entre elles. C'est très vrai pour les magiciennes, si vous voulez mon avis. Mais trait de digression. De Tankerville prétend que Leto est dans la région. Est-ce vrai ? Oui. Que cherche-t-il ? Ma mort ? Il se cache de Yorveth et de ses Scoia'tael. J'ignore ses intentions. Et vous êtes après lui ? En effet. Dernière question. Savez-vous qui a fait assassiner Foltest et Demavend ? Qui se cache derrière ces tueurs ? Je le saurai dès que j'aurai mis la main sur Leto. Mes espions semblent confirmer vos dires. J'imagine donc que je dois vous croire. Maintenant, il reste un problème. Le brouillard et toute cette foutue magie qui retarde ma campagne. Mes mages, comme de coutume, se sont montrés parfaitement inutiles. Magie surpuissante par-ci, malédiction retardée par-là, et au final, rien. Je m'en remets à votre lame de sorceleur. Serez-vous à la hauteur de cette tâche ? Je veux bien essayer. Excellent. Levez la malédiction et vous goûterez à ma générosité régalienne. Et même si vous ne parvenez pas à attraper ce Leto, je vous aiderai à prouver votre innocence. Je mets Detmold à votre disposition. Il vous fournira les informations nécessaires. Vous êtes dorénavant libre d'aller et venir dans le camp à votre guise. Vous pouvez disposer. La malédiction a été jetée il y a 3 ans. Des signes de son activité entre-temps ? Est-ce important ?
Il n'est pas simplement question de bonne aventure dite sous une tente un jour de marché, sire. Ni du sort d'un mage novice. Cette malédiction a entraîné une éclipse et appelé des dizaines de spectres. Nous avons affaire à un sort très complexe qui opère à plusieurs niveaux. Cela nécessite des connaissances et des aptitudes incroyables. Lever la malédiction sera d'autant plus compliqué. Si je dois m'en charger, vous devrez coopérer. Par la malpeste, s'il le faut. Dans le brouillard, vous avez dit que c'était la malédiction de Glevisig. Sabrina Glevisig, une magicienne. Mon ancienne conseillère. Je l'ai fait clouer à une roue et brûler vive. C'est alors qu'elle m'a maudit. Moi et ma descendance. Ça remonte à 3 ans. Ah putain. Qu'aviez-vous contre Sabrina? Comment Sabrina s'y est-elle prise? Pourquoi avoir condamné Sabrina, sire? 1 an après la paix de Sintra, j'ai disputé le Hohedirn à Demavend. Le général Vandergrift commandait une partie de mes troupes. Il a franchi le pontard et a accepté de combattre sur ce terrain. Cela a duré jusqu'au crépuscule, jusqu'à ce que Sabrina prenne les choses en main. Des grêlons de feu ont alors inondé le champ de bataille. 3000 hommes réduits en charpie sanguinolente et calcinée. Le feu a consumé Kedwenien et Edirnien. Les chevaliers bouillaient dans leurs armures, hurlant leur douleur à la mort. La guerre est affaire d'honneur. Quand des gens comme Glevisig s'en mêlent, ça devient un enfer. Pourquoi Sabrina a-t-elle attaqué les siens? Une raison précise? Pas la moindre idée. Ni même une piste. C'était ma conseillère, un membre du Conseil des Mages. J'ai dû tolérer ses excès, ses plans et ses scandales des années durant. Elle était loyale? Ha! Oui, envers elle-même. Ça m'a l'air bizarre, cette histoire-là. Ça se trouve, c'était peut-être un malentendu. Et lui, il l'a buté comme un con. C'est pas... Vous souvenez-vous de la malédiction? Qu'a dit Sabrina exactement? Tout ce qu'elle a dit à l'époque, c'est plus ou moins réalisé. Une étoile ornée de sang déchirera les cieux, et des pièces carrées venues des profondeurs gagneront le cœur des imbéciles. Des pièces? Detmold en aurait trouvé sur les soldats accusés de trahison. Bon, bah, je crois que c'est tout. Il y a un petit truc sympa ici. Ouais, des orangs. Cool. Il y a rien pour améliorer, pour faire en sorte que je puisse porter beaucoup plus de trucs. Hein. C'est vraiment chiant. Bottes militaires, pantalon, lourd cuir. Bon, on verra ça plus tard. Parlons, je vous prie, sorceleur. La théorie du complot. Ouais. Carrément, tu m'emmènes dans la tente. Voilà. Il y a un truc intéressant. Oui, non, mais attends. Il y a un truc intéressant là. Ouais, dehors. Cool. Encore dehors. Toujours dehors. Allez, qu'est-ce qu'il y a, toi? Vous n'imaginez pas comme je suis heureux de travailler avec vous. Non, je n'imagine pas. Ouais, moi non plus. Étant meilleure approche, Gérald, vous verrez. Ça ne vous dérange pas si je vous appelle par votre prénom? Pas du tout. Excellent. Je sens que nous allons bien nous entendre. Au travail, Detmold. Je ne cherche pas de nouveaux amis. Oh non. Je vois. C'est vous le héros. Pas avec cette Comment gueule. Puis-je vous aider, loup blanc? Vous avez vu, certains spectres n'étaient pas agressifs. Vous avez déjà levé des malédictions. Vous avez remarqué que certains spectres n'étaient pas agressifs? La plupart disparaissaient à notre approche.
Je pense que la puissance de la malédiction corrompt les spectres et les change en droguir. En droguir? Un terme technique de sorceleur pour dire spectre? Ce sont des démons, Detmold. Les droguirs sont des démons de guerre qui renaissent là où la bataille a été particulièrement sanglante et cruelle. Un condensé de haine et de barbarie. Peu importe leur nom, vous sauriez nous débarrasser de ces droguirs? Une lame en argent leur donnerait le repos. Mais tant que la malédiction est active, ils réapparaîtront. Les spectres des soldats sont la clé. Il faudrait inverser le cours de la bataille. Ne perdez pas de temps, sabre au clair! Et inversez! Il me faut des symboles de guerre ayant appartenu aux soldats qui ont péri ici. Des artefacts symbolisant la mort, la haine, le courage et la foi. Il faut les activer magiquement et les lier aux défunts. Sans cela, impossible de venir à bout des spectres. J'ignore totalement où ils sont. Au demeurant, je m'y connais peu en symbolisme de guerre. Je m'occupe des artefacts. J'ai une autre mission pour vous. Vous avez déjà eu affaire à des malédictions? J'en ai jeté quelques-unes. Une victime s'est vue pousser des oreilles et une queue d'âne. Une autre a vu sa maison brûler. Rien de bien sérieux. Bon sang. Avez-vous déjà levé des malédictions, conjuré des sorts? Pas eu l'occasion. Mais je connais la théorie sur le bout des doigts. Major de promo à l'Académie de magie. On n'enseigne pas ce genre de malédiction à Banard. Glevisig a jeté une malédiction de sang de niveau 4, la malédiction de l'archimaîtresse. Un abus de langage, vu que cette malédiction a été lancée par des magiciens ou des prêtres généralement fous. Vous avez bien appris votre leçon. Une malédiction de sang, ça me fait penser à Dragon Age. Et la magie du sang, un truc comme ça. Enfin bon, bref. Expliquez-moi cette malédiction. Il n'y a rien de plus banal qu'une malédiction de sang classique. On verse un peu de sang, à minuit de préférence, au milieu de bougies. Sabrina avait tout un bûcher autour d'elle. Parlez-moi de sa malédiction. Lisez par vous-même, j'ai toute la littérature qu'il faut. En fait, lisez surtout la grande encyclopédie des malédictions, sorts et prophéties, et un ouvrage compilé par Tissaia de Vries et Margarita Lohanty, Maîtres en magie et malédiction, morceau choisi. Sacré volume. Vous êtes sûr que Sabrina a lancé cette malédiction? Qu'en est-il de ces pièces? Qu'en est-il des pièces? Vous êtes sûr que Sabrina a lancé cette malédiction? Absolument. Il y a 6 cas avérés impliquant ce type de malédiction. Et combien de cas recensés de conjuration? 1. L'équipe de mages était dirigée par l'archimaîtresse Francesca Findaber, l'autre petit nom de la malédiction. Sabrina Glevisig était dans le groupe. Le monde est petit. Et plus il rétrécit, plus il paraît affreux. Ce n'est pas tout. La malédiction conjurée par Francesca et Sabrina avait pour but de tuer les descendants de la dynastie Thyssen, dirigeant de Kovir. C'est Rodaï Egal Écarlate qui l'avait lancé. Un homme talentueux, mais complètement fou. Il a aussi utilisé un activateur et une prophétie. Je vois. Sabrina a simplement volé cette malédiction à ce Rodaïga. Précisément. Il y a eu des témoins. Le roi en personne et une poignée d'hommes armés. Pourquoi N7 est-il encore en vie? Pourquoi Enselt respire-t-il encore? Il a tué le prêtre. Il aurait dû éclater comme une tomate sous une enclume de nain. Glevisig tient peut-être à prolonger sa mort imminente. J'en doute. Les magiciennes que je connais sont mauvaises, certes, mais elles veulent des résultats. Sabrina l'a maudit en brûlant sur le bûcher. On a vu mieux comme contexte. Quelque chose a dû aller de travers. Vous pensez qu'Enselt ne craint rien? Je pense qu'on pourrait le sauver. À condition de le sortir du cœur de la malédiction, la bataille des spectres. C'est le maillon faible. Et comment s'y prendrait-on? Aucune idée. Mais je pense pouvoir invoquer le fantôme de Sabrina et l'obliger à libérer Enselt. Pour ça, je dois connaître les circonstances de sa mort. Une malédiction du sang nécessite du sang.
Je suis pas sûr, moi. On a l'aurore et le meurtre. Qu'en est-il des pièces? On les a aussi. Ça ne vous suffit pas? Serais-je tombé sur un secret inavouable? Un secret d'État. Parlez, sinon votre chef d'État risque bientôt de perdre sa tête. Une conspiration couve au sein de l'armée. Les conjurés portent un symbole, une pièce carrée ornée d'une écaille de poisson. Faisons comme ça. Je ne viendrai pas entraver votre enquête, mais vous me rapporterez tout ce que vous apprendrez. Et si j'apprends quoi que ce soit concernant la malédiction... Vous me le direz. Parfait. Si je ne m'abuse, il faut du sang pour lancer une malédiction de sang. En effet. Sinon, c'est irréalisable. Sabrina était clouée à une roue. Où a-t-elle obtenu autant de sang? Elle a interpellé un soldat qui lui a porté le coup de grâce. L'esprit de certains soldats est si faible. Sabrina en avait besoin d'un pour lui porter ce coup, abréger ses souffrances et achever sa malédiction. Et c'est là qu'elle a fait erreur. Elle a accompli des miracles, acquis le pouvoir, réussi sa prophétie et son activateur, mais elle s'est plantée sur ce qu'il y avait de plus simple au final. Ne vous enflammez pas. Elle a choisi un idiot, un bon à rien. Il paraît qu'il a donné 5 coups de lance sans que l'âme de la sorcière ne quitte son corps. Personne ne surveillait le bûcher? Pour cette tâche, la magicienne a choisi l'un des gardes. Ses camarades étaient furieux. Il avait gâché le spectacle. Le roi, lui, n'était plus dans les parages. Bref, le sang a coulé et la malédiction a fonctionné. Oui, mais cette putain a eu son dû. Bon, allez. Vous allez m'aider, Detmold? Assurément, comme l'a ordonné le roi. Écoutez, vous allez vous occuper de la paperasse. Je sens que vous aimez ça. Lors de l'invocation du fantôme de Sabrina, il me faudra quelques runes de protection. Elles retiendront le fantôme de la magicienne et tout ce qui pénétrerait ce monde avec lui. Trouvez-moi dans votre bibliothèque quelque chose qui puisse m'aider. Les runes ne doivent pas être difficiles à faire. Il n'y a pas beaucoup d'artistes dans les environs. À part ça, les droguiers risquent de faire bientôt des incursions pour trouver Henselt. Quand ils quitteront le champ de bataille, ils s'affaibliront. Vos hommes devraient pouvoir en venir à bout. Pensez juste à leur donner des armes en argent. Henselt aussi devrait posséder une arme en argent pour se défendre. Déposez de la quinte-feuille et de la petite ciguë devant l'entrée de sa tente et faites brûler un feu ininterrompu de branches de genévrier. Mais où trouvez tant d'argent? Faites fondre vos bros ou ce que vous voulez. Débrouillez-vous. Ce sont des vases d'argent de Nazaïr, pas des bros. Dernière chose. Expliquez bien à Henselt que je vais avoir besoin de lui. Et vous ferez quoi, vous, à part boire et courir les femmes du camp? Il y en a? Oui, tiens, bonne idée. Mais avant cela, je pensais préparer l'invocation du fantôme de Sabrina et réfléchir aux objets dont j'aurais besoin pour envoyer les spectres dans l'au-delà. Quand j'en saurai plus, je reviendrai vous donner du travail. Comment avez-vous su que vous recouvreriez la mémoire en levant la malédiction? Je n'aime pas qu'on se mêle de ma vie. Mon rôle est de m'informer sur les autres. Je dois tout savoir de ceux qui doivent approcher le roi. J'aime ce métier, et je ne m'en cache pas. Mon passé ne concerne en rien, Henselt. Vous n'en savez rien. Vous savez pourquoi je n'ai pas d'amis sur Solaire? Parce que je finis par connaître leurs secrets, tôt ou tard. S'en suivent questions, tortures, exécutions... Laissez tomber mon passé. Voilà. On va pouvoir bouger d'ici. On a combien de... Moins 59, ok. Alors ça c'est réglé. En gros il faut essayer de lever la malédiction sur le roi. Au moins ça devient un petit peu plus clair. Parce que bon, quand le mec il fracassait la tête du prêtre ou je ne sais quoi, du mec il disait « Non, arrêtez, arrêtez, messire !» Et ben j'avais pas compris d'où venaient tous ces... comment on appelle ça? Tous ces spectres. Maintenant je comprends un peu mieux. En fait c'est une gonzesse qui lui a balancé une malédiction. Enfin c'est ce qu'il pense. Après peut-être que ça cache autre chose. Ça serait pas mal que ça cache autre chose, parce que bon... Ce roi a l'air... a une bonne mémoire, mais il a l'air quand même un peu con.
Genre, oh non, je tue avant et je discute. Bah, je discute pas en fait. Je tue, puis c'est tout. Et après, je me dis, ouais, ok, c'est bon. La théorie du complot. Donc, j'espère que ça cache vraiment autre chose et que Sabrina, bah, en fait, c'est pas totalement. Ça doit être une gonzesse qui a dû faire des saloperies. Je dis pas le contraire. Mais tout le monde fait des saloperies dans The Witcher. On le sait très bien. Donc, je veux dire, c'est que tout n'est pas totalement innocent. Du côté du roi. Bon, ça, d'ailleurs, ça se voit. Hein, qui a regardé sa gueule, on sent que c'est pas innocent. Regarde la gueule de ses conseillers aussi, du mec que avec qui je viens de parler. Le mec, il a les yeux autour des yeux, c'est tout noir. C'est juste. Voilà. Une fois libéré de notre camp, approchez le roi, entamez un zinzin. Avec son ambassadeur. Vous n'avez plus qu'à vous entretenir. Merde! Putain! Ah, fait chier, j'ai failli faire tomber ma putain de manette. Ah, je vais la poser. Vous n'avez plus qu'à vous entretenir avec N7 pour terminer la quête. Le roi, pour entamer le dialogue. Tant une fois, hein, approchez-vous de la tombe du roi pour entamer le dialogue avec Shindan, l'ambassadeur de Nilfgaard. Vous n'avez plus qu'à vous entretenir avec N7 pour terminer la quête. Mais je lui ai déjà parlé à N7. Ah non! D'accord, j'ai compris. Bon, on s'en fout de ça. On va revenir aux quêtes secondaires maintenant. Enfin, je pense que je peux m'en faire une ou deux. Bah, peut-être qu'on peut se faire. Bon, ouais, non, pas le poker. AVN Celt, c'est quoi ça? Au cours de la quête bouchée d'un. Vous serez amené à vous battre dans l'arène de Gamin. Si vous remportez la victoire, Proxy viendra à votre rencontre et vous parlera de grand tournoi qui aura. Bon, on s'en fout. On verra ça plus tard. Par contre, il y a cette quête petite sœur qui peut être intéressante. En vous approchant de la porte ouest du camp, vous apercevez un soldat se faire humilier par ses collègues. La porte ouest du camp. Voyons un peu ça. Où est-ce que ça se trouve? On verra ça. Allez. Ouais. Attends, je vais mettre la carte pour vérifier. En fait, ça m'aide pas du tout. Ah, si, ça m'aide la carte. Si. Non. Falloir attendre le cul par terre que la brume se décide à se lever. Elle ne disparaîtra pas. Il faut lever la malédiction. C'est qui ça? Des petits points verts là. Odrin! Où es-tu? On va lui parler à lui, ça a l'air d'être. Odrin! Par ici, camarade! Odrin! Oui, bah c'est bon, qu'est-ce que se voulez-vous? Vous cherchez Odrin? Auriez-vous entendu parler des pièces carrées? Je collectionne les vieilles pièces. Ici, au camp? Vous êtes pour bien? Il paraît qu'on peut trouver des pièces rares par ici, carrées, avec un poisson dessus. Ça me dit rien, fichez le camp! Que voulez-vous? Je vous ai entendu appeler Odrin. Et alors? Simple curiosité. La moitié du camp est à sa recherche. Il s'est perdu. Mais Odrin est un brave gars. Il arrive à boire 6 demi-milliards de liqueurs l'un après l'autre sans s'arrêter. Je lui paierai bien une pinte. Il ressemble à quoi au juste? C'est un soldat ordinaire. Sauf qu'il titube pas mal. Tant qu'on est payé, moi ça me va. Odrin! Où es-tu? Par ici, camarade! Ah, je peux plus lui parler. Odrin! Où es-tu? J'en ai... Qui est-il, sorceleur? Ouais, qui est Odrin? Qui est cet Odrin que vous appelez? Une sorte de dieu kédouanien? Odrin? Un dieu? Le dieu de la biture, peut-être? C'est un camarade. On devait se retrouver à la taverne, mais il s'est perdu. Et si vous le retrouvez, dites-lui qu'on l'attend.
Sauf que je ne vois pas qui c'est. Oh, vous inquiétez pas, vous saurez le reconnaître. Il n'y en a pas deux comme lui. Tant qu'on est payé, moi ça me va. Audra ! Par ici, camarade ! C'est qui le type en... le truc en bleu, là ? Audra ! Bonjour ! Audra ! Mais ne serait-ce pas le fameux Geralt de Rive ? Et toi, t'es qui ? Vous semblez me connaître, mais ce n'est pas mon cas. Et c'est bien dommage, car je peux vous rendre encore plus célèbre. Vous écrivez des ballades ? Je n'ai pas l'oreille musicale, mais le roi m'a chargé d'organiser des tournois de soldats. Un maître épéiste tel que vous doit bien vouloir montrer ses talents. Seuls les combats vous intéressent ? Les tournois de soldats, ça c'est du passe-temps. Ensel te s'intéresse à autre chose qu'au combat ? Les traditions chevaleresques sont importantes. Seuls les duels permettent de garder un homme en forme. Encore à chercher les pièces ? Y'a rien d'autre à faire. Et merde. Cette brume me rend dingue. C'est mort, je peux plus leur parler. Audra ! Audra ! Ah, il m'emmerde. Par ici, camarade. Ah, attends. On va vérifier la carte. Même là, je dois vérifier la carte. C'est par ici ? Non, je crois que c'est de l'autre côté. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qui est-il ? Non, pas tout de suite. On verra ça plus tard. Audra ! Par ici, camarade ! Non. Par ici, camarade. Audra. Normalement, elle doit être par là. Ouais, il est là. Il est caché ici, ce con. Derrière les tonneaux. Voilà, ici. Bah non, il est pas là. Il est pas là. Oh là, il a des spasmes. Ah bah tiens, voilà, c'est ici. Dégage de là, minable ! Tu parles à plus âgé que toi. Un peu de respect, Troufion. Du respect ? Pour toi ? Y'a pas de place ici pour des merdeux dans ton genre. Du vent ! Du balai, au sou avec les autres porcs ! C'est là qu'est ta place. Voilà, c'est ici que la quête commence, les petites sœurs. On va lui parler. Bon, on en est à une heure, donc je commencerai la quête, trouver Audra. Non, on verra ça plus tard. La vérité est dans la bière. Attends, je vais quand même vérifier ce que c'est que cette quête. À propos de la vérité dans la bière, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est une quête secondaire, ça, non? Ouais, la non, attends. Petite sœur, AV, jeu de poker, les maîtres, contrat. C'est pas une quête secondaire, ça? La vérité dans la bière. Ah non, c'est bon, c'est une quête principale. Hein. D'ailleurs, il y a beaucoup de quêtes principales. Enfin, ça fait partie de la quête principale. Bon. Ok, bon bah je vais m'arrêter là pour cet épisode, et à plus pour un prochain épisode de The Witcher 2, Assassin of Kings.